Hey, hey, hey. Alors, nous avons, dans l'épisode précédent de Stray, fait la rencontre de B12, qui est notre gentil petit robot qui nous accompagne, et des quelques villageois qui se trouvent là. J'ai envie de visiter la ville, en fait, pour voir s'il y a des gens avec qui parler. J'aime bien l'idée de parler à des gens. Genre là, il y a un Jean. Il y a même deux Jean. Bon, inspecter câble électrique, c'est-à-dire. Bonjour, je suis marchand du marché. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose en échange. C'est plus simple que ça. C'est un lot de câbles électriques, les meilleurs du marché. Je t'échange contre de la lessive Super Spirit. C'est le mieux que je puisse faire. Je n'ai pas la lessive Super Spirit, mais je retire. Inspecter partition. C'est une partition musicale, une œuvre d'art magistrale d'un artiste très célèbre. Ça te coûtera une cannée de boisson énergétique, c'est le minimum. C'est quoi ça? Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ça te coûtera 3 cannées de boisson énergétique, c'est le minimum. Le marché. Ok. Il faut que je trouve des canettes de boissons énergétiques et de la lessive. Heureusement qu'on a ces objets pour nous défendre contre les orques. Les taudis sont dangereux et se préparer est capital. Mais est-ce que c'est Lito? Ah, oh, c'est joli comme nom ça, Lito. Du coup, je me pose une question, j'ai oublié. Oui. Est-ce que moi, ce que j'appelle les raloupiotes, c'est ce que eux appellent les orques? Parce que je trouve que raloupiotes, ça leur va mieux. Hé, hey, il y a un Jean, là. Je veux te parler. Teddy, tu ressembles un peu à un orque. Enfin, vu de loin, au moins. Ils font de jolis petits cris et ont l'air mignons comme ça. Mais méfie-toi, ils mangent même le métal. Ils sont terrifiants. Tu veux voir ma photo? C'est l'extérieur dont parle le moment. Il y a plein de gens en fait dans cette ville. Tu veux quelque chose? Ah, la musique bleue, un beau concept. D'accord, toi t'es pas très sympathique. Je vais changer la musique. Bonjour. Je peux avoir un peu un Nesquik? T'as pas dit quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Ah, oh, c'est une belle photo de l'extérieur. Maman adore celui que tu devrais lui montrer. Son appartement est tout en haut du secteur. Tu trouvais un néon, un signe néon orange. Mais arrêtez de penser que j'ai oublié mon objectif. C'est pas que j'ai oublié mon objectif. C'est que j'ai envie de faire du tourisme. Je peux monter? Il y a quoi en haut? Se rappeler. Voilà une bonne raison de faire du tourisme. Je trouve des souvenirs. Ils ingèrent vraiment ça? Leur conception d'origine n'incluait pas le système digestif. Peut-être ont-ils évolué en imitant les humains d'une certaine façon. Oui, donc, ils sont bien conscients qu'ils ne sont pas humains. Tu crois que je devrais goûter? Je ne veux pas manquer de respect à leur tradition. Eh, hey, il est loin le souvenir. C'est quoi? C'est des cartes à puce. Des cartes mères, je sais pas comment on dit. Je peux jouer au billard? Attends. Ah merde, j'ai fait tomber la blanche. Je débloque quelque chose si je fais tomber toutes les boules.
Elle veut pas rentrer. Voilà. J'ai rien gagné. C'est une tristesse. C'est affligeant. C'est quoi ça? Prendre partition 5 sur 8. Il y a des objets à collecter, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on parle de la partition? Ah oui, non, je sais. J'ai pas fait ça exprès. C'est ça que je voulais faire. C'est lendemain. J'aimerais beaucoup entendre jouer ça. Bah écoute, on essaiera. C'est le journal Les gens qui vivent au-dessus au niveau 2. Il date de quelques années, mais il vaut le coup d'être lu. Là, alors bonne chance, tu n'es pas prêt d'y arriver. Une partition, désolé, je joue d'aucun instrument. Aussi, il y a des gens. Je l'avais laissé dans la rue et le lendemain, les cerfs avaient tout bouffé. C'est dingue, on peut manger n'importe quoi. Il y avait toujours des trucs bizarres, mec. Je sais pas quitter notre village, c'est trop dangereux. En plus, le gardien est le seul à pouvoir ouvrir cette porte. Ça, c'est une information intéressante à connaître. J'ai le sentiment qu'à un moment donné, le gardien ne voudra pas qu'on parte. Est-ce que... Mais non, c'est pas ça que je voulais. Changer de catégorie, c'est là. D'accord, donc tous ceux qui sont brisés sont pas loin. Ça. Derrière un bâtiment. Une affiche de concert. Un tag. Une grosse affiche. Un petit balcon. Ok. T'as fini de me donner des coups d'oreille, toi? Kouette. Traduire. Trucker, l'avomatique, super spirit, les fringues à mémé, programmation idiote. Attends, le lavomatique. Genre, il est par là. Il est pas ouvert. Toi, je t'ai déjà parlé. Ok. Bon. J'aime trop découvrir des choses. Dans tous les jeux, je passe ma vie à faire toutes les quêtes annexes. Et du coup, ça me prend des plombes de terminer le jeu. Je sens que ça va de nouveau être le cas ici. Hop, petit check du timing. On a 9 minutes et j'ai pas avancé d'un iota. Donc, néon rouge, c'est là que je vais aller. On se concentre. Si je vais par là, je monte. Suffisamment. Là, je sais pas. Ah, je te connais pas toi. Si tu n'as pas intérêt à faire tomber un autre pot de peinture parce que ça va énerver Cosma. Partie de ces chenapans qui s'amusent avec les pots de peinture sur le toit. Arrête avec la peinture, j'en ai marre de nettoyer mon perron à cause de tes bêtises. Et non, ce que je veux, c'est piquer la lessive.
À mon avis, ça sous-entend que si je veux qu'elle ouvre, j'ai pas d'autre choix que de monter et monter. Eh, hey, c'est toi qui fais le coin avec la peinture. Attention, je vais me concentrer. Pas question de faire tomber un autre pot. D'accord, donc à la base, vous faites pas exprès. Il a même pas capté que j'avais fait exprès. Bon. Non, moi ce que je fais c'est dans la laverie. Moi j'en descends. Hop. Hop hop. Je vais encore nettoyer l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer au-dessus de ma boutique, espèce de petit vaurien. Ah, je mets des empreintes de pattes partout. Allez. Je suis une saloperie. Je fous le bordel et je pique des trucs. Mais maintenant je peux aller au marché et récupérer. Je sais même plus quoi en fait. Vous voyez ce moment où je disais je vais me reconcentrer sur la quête principale. Ben voilà. Ça marche pas. Le marché il était par là je crois. Et ça me permet de récupérer les câbles électriques. Voilà. Il faudrait que je trouve des canettes de boissons énergétiques. Mais ça, je sais pas encore. Mais bon. Ça, si, j'ai vraiment essayé de monter. Sont agréables à observer, mais je veux voir le vrai ciel un jour. Ah, d'accord. Ah ouais, effectivement, c'est pas le ciel. J'aime bien foutre le bordel. Le truc avec les néons, il est là. Il y a une tyrolienne, mais qui va pas dans le bon sens. Coucou. Oh non, pas encore. Il s'appelle Mito. Par là, j'imagine. Ça c'est pas là où je veux aller. Oui. Oh, je tombe. Je sais pas monter là. Pourquoi je suis monté sur rien? Ah. Ça c'est pas pas mal. Hop. Hey. Je crois que j'ai trouvé mon mot.
Maman n'a pas l'air très heureux. Maman n'est pas au courant que je suis pas un zorb. Coucou. Ça marchera jamais. Pourquoi je te laissais partir? Je suis tout seul. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? Faut à l'extérieur, tu veux y aller? Fatigue pas, c'est une perte de temps. Tu n'y trouverais que solitude et désespoir. Mes amis en rêvaient aussi, mais maintenant qu'ils sont partis, je me retrouve tout seul. J'ignore où ils ont atterri, j'ai essayé de les contacter, mais cette merde de radio ne fonctionne pas. Mes amis et moi avons pris des notes sur nos recherches au sujet de l'extérieur. Tiens, prends les miennes si tu tiens vraiment à y aller. Nouvel objet acquis. Carnet de moments. Tu es tout seul maintenant. Je ne veux plus entendre parler à l'extérieur. Bonne chance. Maman a l'air très triste. Ses amis lui manquent. Laisse-moi jeter un coup d'œil au carnet qu'il nous a donné. Le manifeste des extérioristes. Attends, parce que tu parles trop vite, la gars. Comment je remonte? J'arrive pas à remonter. Bref, nous devons protéger nos frères et nos sœurs, nous devons fuir les orques. Signé Clémentine Volpard, Doc et Maman. On dirait que le nom Maman a été ajouté plus tard. Je crois que nous devrions trouver les autres carnets. Petit chat, tu cherches toujours les carnets inutiles. C'est mon carnet, je suis dernière à avoir rejoint les extérieuristes, il ne reste plus que moi. Ok, donc je pense que je vais devoir trouver là où ces gens habitaient. Je peux pas le relire. Alors, il est écrit, manifestement, nous devons atteindre l'extérieur à tout prix, nous devons protéger nos frères et nos sœurs. Clémentine, Sbaltazar, Doc. Nous cherchons Clémentine, Sbaltazar et Doc. En tout cas, là où ils habitaient. Je vais me planquer sous le lit. Ah! Souvenir. Pourquoi ils ont tous la photo d'une vache? Oh, Backroom 2, je me souviens de ce jeu vidéo. Comment ça en vrai? Je crois qu'elle date juste après ma création, ma mémoire est encore un peu floue. Avec le scientifique, on y a joué pendant des heures. C'était amusant, et maman. Pourquoi j'ai oublié son nom? Et je me demande si c'est un vrai jeu. Monsieur, t'as remarqué qu'en frigo il est grand ouvert? Je suis pas sûre que ça serve à grand chose si tu le laisses comme ça. Ah, ça m'inverse mes touches, c'est génial! Traduire. La ville a la forme d'un cylindre de 450 mètres. Il existe un niveau au-dessus d'une autre. La ville semble dotée d'un plafond. Si j'en crois mes livres, un grand ciel bleu est caché derrière. Extérioriste. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait ici. Le symbole sur le mur correspond à celui du carnet. T'as de bons yeux, toi. Ça pourrait être une piste. Bah. Go, hein.
je vais marcher là-dessus. Clémentine. Quelle histoire, c'est le même logo que celui de Momo, que celui que Momo nous a donné. Doc, celui-ci appartient à une certaine Clémentine. Donc il nous manque Balthazar et Doc. Le train se déroule comme prévu, on a réussi à contacter l'étage supérieur avant que la radio tombe en panne. Ils ont un lieu. Ils sont dans un lieu appelé centre-ville qui est visiblement contrôlé par une sorte de force répressive. Je parle de Momo l'auteur, ses yeux, je connais ce regard, il ne viendra pas avec nous. Trouvons les autres carnets. Qu'autre chose. Sur un souvenir. On dirait bien que ce pauvre type aussi a tenté d'atteindre le niveau supérieur. Oui, je me souviens. Le centre-ville est par là-haut, loin des déchets et des maladies des trucs. Même dans les temps difficiles, les humains ne pouvaient s'empêcher de se diviser en classes sociales. À l'époque, beaucoup de gens, des taudis, étaient prêts à tout pour tenter de monter là-haut. Visiblement, les robots ont reproduit ce comportement. Ok. Depuis ici, on trouve des gens. Donc si aujourd'hui est le lendemain d'hier, demain sera le hier d'aujourd'hui, pas vrai? Le temps change. On ne vieillit pas comme nos ancêtres les mous. On est enfermés ici pour toujours. Souvenir. RIP humans. Reposez en paix humains. Les humains furent les premiers à vivre ici. On dirait bien qu'ils sont tous morts. Tu crois que ça fait quoi de mourir? Je sais que c'est une question compliquée de ma part. Mais sont-ils vraiment en paix? Est-ce que je trouverai la paix en mourant?
J'ignore à quoi ressemble la mort pour une IA. Je m'excuse, je voulais pas plomber l'ambiance. Continue. Et de une. Il m'en faut trois. Allez, du jeu de côté, je vais pas te faire mal. Pardon? Il se passe quoi là-dedans? Remarquable, les compagnons ont beaucoup évolué. Au début, leur IA de base se contentait d'imiter la rue. Maintenant, ils font ça seuls. Les humains disent souvent que créer est important dans les situations désespérées. On peut dire que c'est actuellement le cas. Mais je m'en sors pas mal avec les souvenirs. J'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe là-dedans. J'ai pas d'accès. Oh, tu vois, à mon avis, je pourrais te passer la partition quand je l'aurai. Je suis musicien, mais je ne connais aucune chanson. Lendemain. C'est cool, tiens, regarde. Et je pense que c'est une très belle façon de clôturer cet épisode en fait. Un chat qui dort à côté d'un gars qui joue de la musique. Moi je trouve ça vraiment sympa. Du coup, ben, je vais m'arrêter là pour cette fois. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Bye bye!